Dimanche 11 juillet, durant la finale de l'Euro 2020 qui opposait l'Angleterre à l'Italie, la famille royale, présente dans les tribunes pour soutenir son pays, n'est pas passée inaperçue. En effet, tout a été décrypté, de l'enthousiasme du prince William aux boucles d'oreilles de Kate Middleton, en passant par la palette d'expression du prince George, qui est passé de la joie extrême au désarroi le plus total en voyant perdre les Sri Lyons. Mais si le public a globalement loué la mignonnerie du jeune héritier, certains internautes ont été plus acerbes envers le garçon de 7 ans. La raison ? Ces derniers reprochent au prince George d'avoir porté un costume cravate lors du match plutôt qu'un maillot de football ou qu'une tenue de son âge. Une polémique inutile qui a poussé l'expert royal Duncan Larcombe à expliquer comment George en était venu à s'afficher sous un jour aussi chic dans les tribunes. George idolâtre son père. Si est-il pourquoi nous l'avons vu si élégant dans son costume, il voulait vraiment s'habiller comme William. Fin de l'histoire. Mais les critiques ont tout de même alerté Kate et William qui pensent avant tout à protéger leur fiston. La raison pour laquelle, selon l'expert royal Robert Jobson, George devrait être loin des feux des projecteurs pendant un certain temps. George a beaucoup attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Certains ont critiqué le fait qu'il porte une chemise et une cravate comme son père, ce que j'ai trouvé très dur. Je pense qu'ils vont essayer de le tenir un peu à l'écart, a-t-il déclaré dans l'émission australienne Sunrise. Prince George, le petit garçon fêtera ses 8 ans le 22 juillet prochain, une absence de la scène médiatique qui devrait commencer dès maintenant, puisque d'après la biographe royale Angela Levin, Kate et William pourraient ne pas publier un portrait du prince George pour son anniversaire, qui aura lieu le 22 juillet prochain, comme ils le font chaque année. Il y a des rumeurs selon lesquelles nous pourrions ne pas voir la photo du prince George, quand il aura 8 ans, parce qu'ils ont été tellement bouleversés par l'impolitesse des gens qui se sont moqués d'un petit garçon de 7 ans, a-t-elle expliqué dans l'émission The Royal Beat.